Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode voilà de Potion Craft. Potion Craft, pour ceux qui ont des accents, je sais pas de quoi on parle. J'ai la potion du muscle. Ai-je la potion du... Ce truc est bizarre. Mais on peut faire des trucs avec ce truc bizarre. Je vois pas trop l'intérêt. Mais on peut faire des trucs avec ce truc bizarre. Ah oui, ok. Autour dans le jardin, tu ramasses des trucs chelous. C'est bien. C'est rigolo, drôle. Ok. Ah, un nain. Salut, alchimiste. J'apporte des dons de la montagne. Vous achetez? Qui êtes-vous? Que vendez-vous? Je suis mineur, je creuse la terre. Je fais des tunnels, je cherche les dons de la montagne. Pierre, minéraux, cristaux, j'en vends. J'aime son... je pense que les gemmes sont rares. C'est pas donné. Montrez-moi ce que vous avez. Ah oui, sa mère, les cailloux. Cristallin, comme un cristal. Alors. Vous êtes pauvre comme un caillou. Il faut impérativement négocier. Avec ma souris de merde? Eh ben, bonne journée, let's go. Marché conclu. Au revoir, monsieur. Ok. On a gagné des nouveaux trucs. J'ai récemment acquis un coffre, mais je n'ai pas la clé. Comment faire pour l'ouvrir? Vous proposez une potion pour... ouais. Les popos. J'ai rien, mec. Potion pour ouvrir les portes. Une potion pour ouvrir les portes. À part une forte potion de muscle pour forcer ta porte. Ou un acide, il faudrait. Ah, c'est ça, il va falloir un acide. Mais je vais trouver ça où? Alors, il faudrait suivre les traits. Et les petits traits nous disent qu'il y a des potions par... Il y en a une là-bas. Il y en a une par là. Mais je vais comment? Déjà, est-ce que je peux y aller? En bas. Est-ce que je peux aller en haut? Est-ce que c'était pas l'histoire de... On est dans la merde parce qu'on n'a plus rien pour aller... on n'a plus rien pour aller en haut, c'est ça? Et que globalement, c'est ce qui nous manque, oui. Parce qu'il y a une potion là derrière la potion d'explosion. Ou alors le mec, je lui vends une potion d'explosion. Je lui fais sauter sa baraque, quoi. Ouais. Alors, j'ai un truc vite fait pour monter. Ouais, j'ai pas claqué une pierre comme ça, là. Ça vaut une couille. Je peux pas faire ça. Si je lui fais une potion d'explosion. Potion d'explosion. Oh, mais nul en plus, hein. Genre la nullos quoi. Genre j'ai pas... Ah j'en ai que deux. Ouais bah fais péter ta potion nulle hein. Bah ouais. Ça c'est quoi? Lumière parfaite. Je crois qu'on va se la garder longtemps celle-là. Mais il aurait payé pour une qualité parfaite. Ouais mais j'ai plus de matériaux hein. Alchimiste, avez-vous des potions de soins? J'en aurais besoin d'un flacon. Alors ça, ça a le mérite d'être clair. Ça, les gens qui viennent avec des demandes claires, nettes et précises comme ça... Voici la grosse. On l'appelle la grosse dans le milieu. Je lui aurais bien fait une étiquette ronde. Voilà. Parce que je pense qu'une étiquette ronde, ça vaudra plus cher. C'est sûr. Elle sera plus jolie. Tout le monde y croira plus. Le vieux! Envie d'un petit champi, clin d'œil. De l'autre côté, du coup, vous voulez acheter des champignons? Okay. Putain, le mec est vraiment un dealer, en fait. C'est vraiment juste un dealer, quoi. Ouais, alors ça, j'en ai. Bon, on va se ruiner, hein. Voilà. Ça, je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin. C'est des champis qui descendent. Je suis pas encore parfaitement ruiné. Voilà, là je suis ruiné. Let's go, on négocie. Marché conclu. Au revoir le vieux. Terminé. Ma bonne dame, j'ai besoin d'une potion qui me permettra de semer les gardes plus rapidement.
potion de vitesse. Potion de... J'ai ça, moi? Oui. Potion de célérité. Et elle n'est pas parfaite. C'était 4 éléoflores et je l'ai raté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller lui chercher sa potion parfaite? J'en ai 10. Je peux quand même aller lui chercher sa petite potion parfaite, là. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est parce que je me suis raté une fois que c'est raté à chaque fois. Plouf. Est-ce que j'ai pas. Est-ce que j'ai pas plus opti comme truc? Je vois quel était mon problème. Ah, j'ai rien pour m'aider. Hein. Bon bah vas-y, on voit. Hein. Normalement, ça devrait être bon avec 4 éoflores là. Pas parfaite. Et franchement, on se bat au pixel là pour avoir une 3. Franchement, je tu déconnes, lâche-moi la 3. Allez. Ah, je suis allé trop fort, trop vite. Ah, dommage. Ah, bah vas-y, hein, sers-lui ça. Allez hop. On va être terminé. Hein. Ah, je suis dégoûté. J'arrive pas à la voir en 3 étoiles. Je suis sûr que c'est faisable. Hein. Parce qu'on est vraiment au pixel quand on veut la passer. Bonjour, la Jismiste. Aidez-moi à me réapprovisionner en potions. Relancer de la cafetière. J'en avais plusieurs en réserve, mais la dernière chasse s'est avérée plus sauvage que prévu. La chasse sauvage, The Witcher, grosse blague. J'ai tout bu d'une traite. Il me faut une potion qui accélère la guérison des blessures, de préférence un peu toxiques. J'ai pas. J'ai que celle-là. Je peux... Ah oui, je peux changer l'étiquette. Ah ouais. Petite bien ronde. Une petite ronde. Comme un... Oh bah un petit cœur. Bah voilà. Ouais non, ça c'est vraiment la potion de l'amour. Non, on va mettre comme ça. Voilà, parfaite. Oui, par contre, parfaite, mais imprime-moi ça. Enfin, sors-là, quoi. As-tu vu? Pouette. La chasse est votre métier. On peut dire ça, mais je ne traque pas les animaux, je chasse les créatures. Trolls, ogres, ghouls en tout genre, voire des harpies. En général, mon gibier est fantastique. Et ça paye mieux. Ouais. Saucisse, bretzel, fromage, corne, corne de brume. Ah, corne de brume, vous êtes ce genre de mec, corne de brume. Ou corne de licorne, je pensais. Bon, je vous aurais plutôt vu corne de licorne, monsieur. Alors, au revoir. Alors, je vais me faufiler chez quelqu'un sans se faire remarquer et emporter quelque chose avec moi. Avez-vous une potion qui m'aiderait à me déplacer en silence? J'ai une popo du snake. J'ai une popo de snake. Non. Bah j'ai pas. Avez-vous une potion qui m'aiderait à combattre un dragon de glace? Je risque d'avoir du mal à m'en passer. Oui. Une feu 2. Une feu 2 que j'ai pas fait une feu 3. Je suis vraiment naze. Hein. Mais excusez-moi monsieur, mais je vais essayer de vous sortir une feu 3. J'ai de quoi aller à gauche là ou j'ai vraiment plus rien? Non, vous êtes sérieux, je peux même plus faire une potion de feu là. C'est vraiment... Ah si, quand même. Quand même, le jeu il m'a regardé, il a fait... Oh, je déconne, t'as quand même quelque chose.
Tu me fais pitié. Prends ta popo de feu. Ça va être comme pour Léo Flore, c'est je vais être à côté à un poil de cul près, c'est ça? Ah, ça y ressemble, hein. Franchement, je pense qu'elle se fait. Oh putain, je l'ai raté. C'est sérieusement moi. Oh putain, hey, vraiment. Bah allez, vas-y, hein, sors là. Hein. On va pas gaspiller tout ça. Ah hein. Oh, vraiment, je suis mauvais. Je suis mauvais, c'est terrible. La bloblotte, la souris qui est fatiguée, y a rien qui va. Voilà, monsieur. Allez, c'est vendu. Même pas je râle. Voilà. Oh, je suis dégoûté de moi-même. Extrêmement médiocre. Et il y a plein de trucs que je peux pas faire parce que j'ai pas les matières premières. Dommage, hein. Oh là, il y a des trucs encore exotiques là dans ce jardin. Tac, tac, tac. Ok. C'est quoi ce nouveau truc là? Waouh. C'est spatial. Hémoglépine. C'est spatial. Je voudrais tenter de ressortir une popo de feu, surtout qu'en plus il m'a remis un petit XP là sur la route. Et non mais. Oh ma souris là, tu déconnes. Eh, ma souris qui est en PLS, hein. Excusez-moi. Un jour je serai riche. Hein. Non, je plaisante jamais. Ah, putain. Voilà. Mais. Excusez-moi, hein. Vous n'avez rien entendu. Oups. On n'est pas bon. Ça sera qu'une potion de... Putain, il manque... Comme pour les Léoflores, je pense qu'il manque... Il manque un ingrédient. Soit parce qu'il faudrait que je la fasse avec peut-être ça. Des portes à soufre. Ah oui, peut-être d'ailleurs. Ouais, ouais, termine. Et si je mets que des trucs comme ça? Pas terrible. J'ai même envie de dire à chier. À moins que je fasse ça. Puis ça. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de gâchis de matière. Hein. Faut arracher une popo 3. Hein. Ça, on peut peut-être le ranger là-dedans. Passe tout, on s'en fout. Vas-y, hop. Mets-moi ça là-dedans. Je tente des choses. J'aimerais avoir la potion 3 quand même de feu, quoi. On paraîtrait moins ridicule. Voilà! Une feu 3. On discute. Alors, potion. De feu, bien sûr. Parfaite, cela va de soi. De feu parfaite.
mettre. Je la mets en quoi? Un réservoir de carburant, là. Un petit réservoir de carburant, genre. Pas un truc genre jerrycan, là, comme ça. Bah, voilà. Parfaite. Avec le cœur rouge. Rouge. L'étiquette un peu cramée, genre elle a pris un peu cher. Voilà. Voilà. Très bien. Et quoi, on va même la rota un peu. Ça, ça ressemblera pas au reste non plus. Ah oui. D'accord, ça rota que. Pas que toute la feuille, ça. Ça rota tout. Ok. Bah, enregistrer cette recette. C'est la potion de feu parfaite. Et tu me la termines. Très bien. Ok, ok. Alchimie, j'ai besoin de poison. Ce que je compte en faire, cela ne vous regarde pas. Monsieur, vous aurez ce que vous demandez. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai besoin d'une potion qui m'aidera à allumer rapidement un feu dans la cheminée. Je pourrais répondre supplément si ça ne contient pas, si ne contient pas cet ingrédient champignon de la colère. Mais si tu veux une potion de feu, allumer un feu rapidement. Bah oui. Bah voilà, voilà ton petit supplément. Bonne journée, mon beau monsieur. Je crois que les légumes de mon champ ont rétréci. Vous avez quelque chose pour les refaire grossir? Ouais. Alors maintenant, si je peux en faire, c'est autre chose. Mais oui, oui, j'ai ce qu'il faut. Hop là. En plus, elle est jolie, la popo. Regardez, elle est jolie, madame, la popo. Vous payez un peu plus cher parce qu'elle est jolie, quand même. On a fait un effort esthétique, ici. À la Connard Funk Production. Non, c'est pas notre habitude. Des champignons! Mais de... bien le bonjour l'alchimiste, ça vous dirait d'avoir de beaux champignons, sinon j'aurais besoin d'une potion, vous voulez bien m'aider? Je connais un coin caché dans la forêt où poussent des champignons fascinants, clin d'œil, mais voilà, il y a plein de tertres et de racines saillantes. Franchir ces obstacles sans se tordre la cheville, ça demande une dextérité incroyable. Je ne suis plus tout jeune. Aidez-moi, aidez un vieillard, ça vous rapportera plus de sortes de champignons. Est-ce que c'est ça que vous voulez, mon bon monsieur? Les gars ont besoin de ça. Ah, merde. Ça peut-être. Les gars ont besoin de ça. Ah, merde. Tertre, racine saillante, franchir ces obstacles. Pour franchir des obstacles, bah, par la potion de célérité, je vois pas trop. Hein. Bon, tu veux de la force? Du muscle? Oh, t'es con. J'adore voler les autres. Je ne le fais pas pour l'argent, c'est juste parce que c'est que j'aime ça. Auriez-vous une potion qui m'aiderait à le faire avec plus de dextérité? Ouais, t'es souple, toi, au moins. Quoi? Vous êtes tout chiant? Casse-toi. J'ai pas. J'ai toujours eu l'habitude de planter des gens avec des couteaux. Oui, chacun ses passions. Hein. Maintenant, je voulais leur tirer des flèches dessus, mais je ne suis pas doué. Existe-t-il une potion pour améliorer mes tirs? Bah, sûrement, hein. Mais moi, je l'ai pas. Hein. Moi, je vous explique, j'ai pas de quoi voyager vers le top, hein, donc je peux pas vous faire de potion en fait. Je suis bloqué. Des bisous. À la prochaine. L'entrée est bloquée. Une potion. Oui, bah, j'ai une solution. On va te la faire exploser ta porte de con. Excusez-moi. On va te la faire exploser ta porte d'abruti. Vraiment, je suis vraiment condamné à avoir des potions de merde. Voilà. Voilà. On a fait une bonne journée bien pourrave. Hein. C'était bien nul à chier. Hein. Ils m'ont tous demandé une potion que j'ai pas, que je suis censé avoir, mais j'ai rien en herbe pour aller vers le top. Et donc, bah, pas d'herbe, pas de... Pas d'herbe, pas d'herbe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Pas d'herbe, pas de potion, pas de potion. Pas de potion. On va peut-être récupérer quelque chose un peu. Tac, 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 que dalle. Que dalle. N'a rien du tout. J'ai une givre parfaite dans mon bouquin. Ah ouais, elle est parfaite. Une gel parfaite, c'est bon. Mmh.
Champignon de la colère, j'aimerais beaucoup faire une explosion parfaite de champignon de la colère, mais j'ai pas ce qu'il faut. Alors un petit mélange hémoglépine et racine de la colère, je vous dis que ça. Mais j'ai rien en stock, hein. C'est la misère. Hein. C'est la misère, c'est la misère. Allez. Si tu veux du con, j'ai besoin d'une potion permettant de devenir plus petit et agile. Pour mieux voler des biens. Voilà. J'ai besoin d'une potion pour empoisonner des rats et d'autres vermines de ce genre. Je peux trouver ça. Oh mais j'avais une potion de dextérité parfaite, je suis un abruti. Une poison parfaite ou une poison mortelle. Quoi la diff? Ah il y en a une, c'est avec champignons racines. J'ai mes champignons. On va se la concocter. Donc en fait je suis con, j'avais la potion depuis le début qu'on me demandait. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'être idiot. Nous avons volé un coffre en fer récemment, mais nous ne pouvons pas l'ouvrir, vous n'auriez pas des potions pour résoudre ce problème. Mais vraiment, hein, les mecs ils sont vraiment... Je régale tous les truands du coin quoi, vraiment. Tiens, prends ta merde. Par contre, rack, hein, connasse. Hein. Pas déconner. Hein. Non, rack tout, hein. Voilà. Vous faites quoi quand vous ne cueillez pas des herbes? En général, je m'efforce de... Je m'enfonce dans les profondeurs des bois et je choisis un endroit pittoresque pour écouter les chants, le chant des oiseaux. J'essaie également de pousser la chansonnette vu que personne n'écoute. Rire. Super. Et sinon, tu vends quoi? Ça, je connais pas. Je prends. Je prends tout. J'ai envie de tout prendre. What? Chardon tempête. Oh, y a une histoire, hein. Y a une histoire, ma bonne dame. Hein. Dès que je peux plus payer, on en parle. Je peux encore payer, madame. Je peux encore payer votre banane velue. Je vois pas l'idée. C'est de la merde, hein, je pense. Hein. Ça ressemble à une idée de merde. Des racines, j'en ai des tonnes. Négocions ce petit pécule. Alors, l'hiver, il est comment? Eh bien, marché conclu. Au revoir. Bisous, bisous. J'ai fait le plan. Mon hippo part dans les bois pour traquer du gibier. Il aurait bien besoin d'une potion pour l'aider à mieux chasser. Il faut une potion de la force. Viril. Voilà. Un bon voleur doit être rapide. Vous avez une potion pour m'aider à ce niveau. Alors, j'essaie de refourguer celle-là à tout le monde. Cette potion fera l'affaire, mais je paierai pour une meilleure qualité. Ouais, mais j'ai pas. Donc tu roules avec ça. Tu te débrouilles. Allez, salut mon bonhomme, casse-toi. Niveau supérieur atteint. Tout mon bois de chauffage a pris l'eau. Maintenant, je ne vois pas comment lancer un feu dans mon four. Pouvez-vous m'aider? Oui. Voici. Négocier. Allez, hop. Oh, on s'est fait un petit pécule. Ça fait plaisir. Des bonus quotidiens, notre lien de l'expérience, livre vert, apparaissent plus régulièrement sur la carte alchimique. Probabilité d'apparition des bonus 15%. Ouais, c'est pas trop ce que je recherche. Les rayons de visibilité, c'est pas mal. Vous pouvez négocier en niveau très difficile. Alors, je vois pas ce que c'est, mais... j'ai envie d'aller chercher le niveau de négoce du dessus, hein. Ça a l'air costaud, en fait, comme truc. Bon, je pense que c'est pas mal pour un épisode. On s'est gavé un peu. On se retrouve dans l'épisode suivant. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming et je vous dis la